monde, c'est Justine Love Girly Things. Donc si vous me connaissez, re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Même si en général je fais quand même plus de vidéos mode et beauté. Donc j'avais très envie de me lancer dans des vidéos cuisine, puisque je suis une mordue de pâtisserie. En tout cas j'adore ça. Je prétends pas être une grande pâtissière, loin de là. Je suis absolument une quiche en cuisine salée. En revanche, en ce qui concerne la cuisine sucrée, ça a toujours été un de mes péchés mignons. J'adore ça, j'adore faire ça, j'adore manger aussi ensuite ce que je prépare. Donc du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une vidéo recette de cuisine. Et on va réaliser, comme vous l'aurez certainement vu dans le titre, une recette de muffins aux deux chocolats, donc chocolat noir, chocolat blanc. J'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas en fin de vidéo à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Concernant les ingrédients, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près en vous faisant un close-up de tous mes petits bols préparés avec le contenu de la recette. Mais pour donner crédit évidemment à la personne qui a fait cette recette, je vais vous montrer le livre duquel elle est tirée et le livre que j'utilise. Donc c'est un livre qui s'appelle Le Grand Livre Marabout de la pâtisserie facile, 500 recettes. Donc je vous montre comme ceci, il est vraiment génial, je l'ai eu à Noël dernier. Il est super bien fait, super bien expliqué à l'intérieur, c'est juste magnifique, les photos sont trop belles. Enfin voilà, je pense que ça peut parler tout seul, enfin ça, il parlera de lui-même en tout cas. Voilà, donc du coup la recette que je fais aujourd'hui, c'est celle qui est juste là-haut. Donc je vais vous mettre évidemment un aperçu de la recette pour que vous puissiez la voir si vous voulez faire une capture d'écran et la voir et pas avoir à regarder cette vidéo à chaque fois. Et je vais vous montrer les ingrédients un peu particuliers puisque je pense que tout le monde a de la farine, du sucre, des œufs. Dans cette recette il n'y a pas de beurre mais de l'huile végétale, donc du coup ça remplace le beurre. Donc au niveau des accessoires indispensables je trouve, il va vous falloir donc un verre mesureur comme ceci. Pour faire les pépites de chocolat, moi j'utilise des tablettes de chocolat, j'achète pas les pépites toutes faites, je préfère les faire moi-même et du coup elles sont plus grosses et plus gourmandes. Donc j'utilise juste un verre avec une planche à découper en dessous et je casse ma tablette encore dans papier alu ou dans son packaging. Ensuite j'ouvre le packaging et j'ai toutes mes pépites que j'ai plus qu'à verser dans une assiette ou un bol. Ensuite pour la recette en elle-même, il vous faudra un saladier, donc un saladier assez grand comme ceci, rien de plus commun. Ensuite, dès le début de la recette, on nous demande de tamiser la farine, donc il vous faudra un tamis, comme ceci. C'est une espèce de passoire avec des trous très fins. Ensuite, il vous faudra un fouet, une cuillère en bois, et pour la fin de la recette, donc il vous faudra évidemment un moule à muffins. Si vous n'en avez pas, ça va être un peu compliqué. Donc moi, j'utilise un moule de 12 muffins, 12 mini muffins, comme celui-ci. Donc il est un petit peu taché mais rien d'inutilisable. Surtout que ma pâte ne va pas toucher mon moule puisque du coup j'utilise avec ceci des caissettes en papier qui viennent de chez Action. Le moule aussi vient de chez Action d'ailleurs. Donc c'était très peu cher, le moule m'avait coûté une 2€, un truc du genre. Et les caissettes une cinquantaine de centimes seulement. Voilà. Ensuite l'ingrédient un petit peu particulier de cette recette, et moi je l'ai découvert en faisant cette recette puisque c'est pas la première fois que je la fais mais la seconde. Et en fait j'ai découvert cet ingrédient et je pense que c'est ça qui fait tout le truc. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon four qui est derrière qui préchauffe, qui est déjà chaud d'ailleurs, mais qui fait un peu de bruit. Donc l'ingrédient phare de cette recette, je vais dire, parce que j'avais déjà fait des muffins avec d'autres recettes et ça n'apportait jamais cette consistance, cette texture un peu aérée que j'aime beaucoup chez les, dans les muffins comme vous retrouvez chez Columbus ou chez Starbucks, etc. Et en réalité il s'agit de lait fermenté. Donc j'ai acheté ce lait fermenté chez Leclerc, comme vous pouvez voir, c'est de la marque Repère. Et je l'ai trouvé en bout de rayon, dans les rayons frais. Maintenant que j'ai préparé tous mes ingrédients, on va passer du coup à la réalisation de la recette. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à la reproduire. Et si c'est le cas, à m'envoyer vos photos sur mon Instagram, donc à @justineduer. Je vous mettrai une capture d'écran juste ici pour que vous puissiez aller me suivre. J'aimerais beaucoup que ce soit quelque chose d'assez habituel de vous faire des recettes de cuisine. Donc si vous aimez ça et si vous avez envie, sachant que ce sera des recettes exclusivement sucrées, je pense, n'hésitez pas à me dire tout ça. g de farine avec de la levure incorporée. Moi j'ai rajouté juste un sachet de levure sur le dessus.
Ensuite, on a 50 g de cacao en poudre. Donc moi, j'ai du cacao 100% chocolat, donc sans sucre ajouté. 165 g de sucre roux. Personnellement, j'en mets toujours un peu moins, donc j'ai dû en mettre 110 g environ. 160 ml d'huile végétale, donc 16 cl d'huile de tournesol pour ma part. Ici, 250 ml, donc 25 cl de lait fermenté, 2 œufs. Et ici, normalement, c'est 95 g de pépites de chocolat noir, 95 g de pépites de chocolat blanc. Personnellement, j'ai préféré mettre 100 g pour être... voilà, puisque je suis gourmande et que je préfère qu'il y en ait plus que pas assez. Donc me revoilà avec mes ingrédients, veuillez excuser la cafetière juste ici et le fil de la lumière. J'ai oublié de mentionner, il faut garder du chocolat blanc pour la fin de la recette. Donc premièrement, on nous demande de préchauffer le four à 200 degrés, ce qui est déjà fait. On nous dit tamiser la farine et le cacao au-dessus d'un saladier. J'ai mon saladier, mon tamis, ici j'ai ma farine avec la levure. Donc je vais juste mettre tout ça dans le tamis comme ceci. Et ensuite je vais tamiser donc en secouant. Une fois que ma farine est tamisée, je vais pouvoir passer au cacao. Donc comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de grumeaux de cacao, donc je prends une cuillère à soupe juste pour venir éclater ces gros grumeaux de cacao et permettre au cacao de passer du coup entre les mailles. Ensuite, on nous dit ajouter le sucre et les pépites de chocolat, donc le sucre. J'ai mes deux assiettes de pépites juste ici, donc hop, voilà à quoi ressemble l'intérieur du saladier. Donc je vais simplement mélanger un petit peu tout ça. C'est pas prescrit dans la recette, mais c'est beaucoup plus facile, je pense, de déjà mélanger les ingrédients secs. Ensuite, ils nous disent mélanger les œufs, le lait fermenté et l'huile, puis ajoutez-les aux ingrédients secs sans trop mélanger. La pâte doit rester grumeleuse. Je vais utiliser un deuxième saladier parce que je pense que mes bols sont un peu trop petits et du coup, je vais utiliser mon fouet pour mélanger tout ça. Donc, premièrement, j'ajoute le lait. J'ajoute ensuite l'huile. Et enfin, j'ajoute les deux œufs. Je n'ai plus du coup qu'à mélanger tout ça. Voilà à quoi ressemble ma pâte des ingrédients humides, des ingrédients liquides en tout cas, et la pâte des ingrédients secs. Donc maintenant, je dois ajouter cette deuxième pâte à la première sans trop mélanger parce qu'il faut laisser des grumeaux. Une fois que ma pâte est assez uniforme comme celle-ci, je vais pouvoir la verser dans des caissettes, dans les moules à muffins et la passer au four. Donc une fois que tous mes moules sont remplis de caissettes et de pâtes, je vais pouvoir les mettre au four. Donc c'est à 200 degrés, four chaud. C'est au four pendant 20 minutes, moi personnellement je mets toujours un peu moins, donc je vais mettre 17 minutes. Je crois que j'avais mis 17 minutes la dernière fois, mais je sais plus. Je verrai dans 17 minutes ce que ça donne, si c'est cuit ou pas. Donc pendant que mes muffins cuisent, je vais tout simplement passer au rangement, à la vaisselle et tout ça. Voici les muffins qui viennent de sortir du four, donc je les ai mis à cuire environ 19 minutes au lieu de 20. Et maintenant ils nous disent de poursuivre la cuisson en rajoutant simplement un carré de chocolat au-dessus des muffins. Sortez les muffins du four, décorez chacun avec une grosse pépite de chocolat blanc, poursuivez la cuisson 2 minutes, attendez 5 minutes, puis déboulez sur une grille et laissez refroidir. Donc je vais vite procéder à la décoration. Je vais laisser moins de 2 minutes, je pense que je vais laisser à peine 1 minute parce que la dernière fois j'avais mis 2 minutes et ils ont un peu cramé mes petits carrés de chocolat, donc c'est un peu dommage, je voudrais pas qu'ils crament. Donc je remets au four pour 1 minute. Donc voilà à quoi ressemblent les muffins. Si vous voyez qu'il y a un petit chocolat blanc qui a éclaté, c'est simplement que j'ai appuyé dessus juste pour voir s'ils avaient ramolli, c'est le cas. Donc je sais pas si c'est pas plus joli éclaté, c'est un peu bizarre. Je vais les laisser comme ça en tout cas parce qu'au final quand ça refroidit, bah ça durcit. Donc je vais quand même essayer juste de les casser un petit peu. Moi je préfère quand c'est comme ça. Parce que vous voyez quand ça refroidit, ça redurcit. Donc quel intérêt d'avoir mis un carré de chocolat blanc dessus pendant la cuisson, tant qu'à faire, autant la mettre au moment de la dégustation. Voilà comment j'ai décidé de vous présenter les gâteaux, donc tout simplement dans une cloche à gâteaux. Je trouve ça trop joli. Vous voyez, vous avez les muffins à l'intérieur.
J'en ai mis que 4 pour la simple et bonne raison que si j'en mets d'autres, ça risque d'abîmer ceux d'en dessous puisqu'ils sont encore un petit peu tièdes. Donc je prends juste une petite assiette pour déguster mon muffin. Comme vous voyez, celui-ci est un peu plus petit et il a un petit peu débordé, mais peu importe. Je vais essayer de l'ouvrir. C'est encore tiède. Trop bon. Une petite pépite qui reste au fond de mon papier. Cette recette, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, c'est toujours très très encourageant et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que vous allez bien et avant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Salut!